Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kimiki pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Et aujourd'hui, on a encore craqué. Oui les amis, je vais encore ouvrir de la voix du maître. J'ai envie de peut-être un gros hit, j'ai envie qu'il se passe quelque chose enfin. Oui, allez, on va encore s'ouvrir la voix du maître. Pourquoi je fais ça? Parce que la voix du maître, j'adore en fait l'ouvrir. Que bah, ils sont en train de traîner un petit peu chez moi. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la chasse. J'ai d'autres produits scellés que je pense que je vais garder. La voix du maître, je pense que je vais les ouvrir pour le fun, pour me faire un délire. Donc on espère avoir quelque chose quand même. Je verrai aussi si c'est rentable. De toute façon, c'est souvent bien plus rentable de garder tous ces trucs scellés. Mais bon, on a la chaîne YouTube, j'ai envie de vivre ça avec vous. Je viens de me réveiller, j'ai la voix un petit peu cassée, je suis désolé. On a donc aujourd'hui 12 boosters encore une fois de la voix du maître à s'ouvrir, on espère vraiment avoir quelque chose. Je vous rappelle aussi que vous avez moins 5% sur toute la boutique de Gelostore à partir de 25€ d'achat avec le code Kibiki. Ça permet de soutenir le PIB indien, d'aider à la survie de la chaîne et d'ouvrir encore plus de boosters. Et surtout, ça vous fait des belles réductions, c'est l'une des meilleures boutiques avec les taux les plus bas. Les amis, on va devoir s'ouvrir tout ça. J'espère que ça va bien se passer. On va pas faire de temps, ça va être une grosse ouverture. Souhaitez-moi bonne chance, c'est parti l'équipe. Les amis, on est parti donc pour s'ouvrir cette grosse pile de boosters. On espère enfin avoir de la chance, on va aller chercher quelque chose. On n'a pas eu énormément de chance en réalité sur ces boosters, la voix du maître. On est presque à 60-70 boosters je crois d'ouvert. Bon forcément le Dracofeu, on commence à ne plus y croire. Mais on sait pas, peut-être qu'on va rentrer dans la légende encore une fois dans ces 12 boosters. Il peut parfois se passer des trucs de fou quand on fait des ouvertures. J'espère en tout cas que ça va bien se passer. Faut savoir qu'on a une holographique à chaque fois dessus quand on ouvre des boosters à la voix du maître. Et c'est parti les amis, on commence directement avec ce code. Je suis hype, je suis pump, en espérant pouvoir peut-être rentrer dans une certaine légende. Et peut-être aussi rembourser un petit peu le porte-monnaie avec une grosse carte, un gros hit, ça ferait vraiment du bien. La Super Bowl qui tombe tout de suite, Sonia. Et pour l'instant, on a aussi beaucoup avancé quand même sur le set la voix du maître, il n'y a que 80 cartes. Donc c'est vrai que c'est assez rapide à compléter. Mais forcément, les cartes les plus rares sont très très difficiles à choper. Aspico. Chaque clipement, désolé pour la petite lumière qui n'est pas très agréable aujourd'hui. Et je suis super content. Une énergie en reverse. Et Bagaïde qui tombe encore une fois en double. Donc ça, encore une fois, c'est des cartes qui vont aller à l'échange. Parfois aussi dans les donations abonnées. Alors pardon, excusez-moi. Voilà. Désolé, ouais, la lumière est assez particulière aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, c'est assez bizarre. Comme si la carte était un petit peu entachée. Attendez, hop. Ouais, non. C'est assez bizarre. Deuxième booster, premier booster pas ouf, hein. Bagaïde, franchement, c'est pas un Pokémon, frère, c'est une racaille. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Énergie, encore une fois. Absol qui tombe. Dardanian, j'en ai un petit peu marre de te voir, même si t'es un Pokémon que j'apprécie. Moticyclette, encore une fois. Le Gripat, l'Aspico, les amis. Zigzapton. Allez, on a le Rocabot qui tombe tout de suite. Ensuite, Total Soin. C'est des cartes, j'ai tellement l'habitude de les voir. Le Machoc en reverse avec quelque chose, s'il te plaît. Oh là là, il me hante. C'est pas possible, sérieux. Aïe, chaud. C'est combien? Ça fait 7 Machoc, ma cognac. Aïe, on m'a donné des... Oh là 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 là, j'ai payé 300€ de ma cognac ou quoi là? C'est pas possible. Ah ouais, je vous ai dit, hein, j'ai dit à Poké Company, ouais les frères, j'aime beaucoup ma collière. Aïe aïe aïe, direct. Il ne fait que de me le donner. Absol, Moticyclette, encore une fois, Machopper, Rocabot, Potion, Pokéball, Caravan. Ah, ah bon, Sbire la Chimère, s'il te plaît. Et c'est Lugarok en holographique qui tombe. Vraiment, 3 boosters claqués au sol, on va pas se mentir. Exploser au sol, c'est vraiment terrible. C'est le jeu aussi des ouvertures. Mais aïe. Compliqué pour l'instant sur ces 3 boosters, il faut pas perdre espoir. On a eu des ouvertures comme ça, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça que ça commence avec moi. On commence avec vraiment des boosters très très mauvais. Et parfois on finit avec des trucs totalement fous. On espère que ça se passait comme ça aussi ici. Super Bowl, le Percy qui tombe tout de suite. Stade de Greenberry. La potion encore une fois, hein. Je sais que là t'as envie de me potionner. Mais il y a un moment où il va falloir me lâcher un petit peu. Le Goupilou. Machoc en reverse. On va avoir... Non c'est après la reverse pardon. Maconier en reverse. Et recherche professorale en holographique. J'en ai vraiment marre de ce Maconier. Je vais faire des donations de Maconier si ça continue.
Bon bah les amis, ça fait 4 boosters vraiment très 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 légers. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 boosters encore une fois. On a déjà fait un tiers de la vidéo et franchement pour l'instant je suis clairement en train de regretter fortement de les avoir laissés, je bégayais un petit peu, mais c'est le jeu, quand tu veux tenter ta chance, c'est comme ça aussi sur Pokémon. Comme je vous ai dit, bien souvent le plus rentable, même si tu chopes des grosses grosses cartes, bien souvent le plus rentable c'est de garder scellé en termes de rentabilité pour ceux qui collectionnent et qui veulent, je sais pas, qui pensent que Pokémon c'est un investissement bon sur le long terme. C'est souvent le scellé qui est bien plus intéressant. Mais les ouvertures c'est tellement fun et moi je vous conseille vraiment d'ouvrir. Énergie, Percy, Super Ball, Absol, Lilion de Gala, Total Soin, Chakipan, Coconfort, Miam Miams, en reverse, Nabil. Allez, enfin une V et yes, let's go. Ça fait du bien. Ah, j'ai oublié mes protège cartes, mais ça fait vraiment du bien. Un des Pokémon favoris, Lucario V, qui arrive tout de suite dans la collection. On a quasi bientôt toutes les V de la Voix du Maître, à part le fameux Dracaufeu. Mais ça, par contre, ça fait vraiment du bien au moral. Ça relance tout l'intérêt de cette ouverture. J'ai oublié mes pochettes qui sont en haut. Lucario, magnifique carte. Regardez-moi ce beau gosse absolu. Je suis trop heureux. Allez, on continue les amis. Oh là là, je suis trop content. Ça fait plaisir ce Lucario. J'ai vraiment envie de l'avoir. Alors oui, j'ai pas forcément beaucoup de chance parce que ce Lucario va ressortir dans une team box en carte promotionnelle. C'est encore quelque chose qu'on n'a pas trop compris. Il y en a beaucoup qui se plaignent et tout, je peux comprendre. Bon, du coup, bah, la valeur de... Je sais pas si la cote de la carte va monter encore. Je pense qu'elle va plutôt baisser. Après, je sais pas, je suis pas expert. Super Ball. Absol encore une fois, pardon, le Victini qui est parti un petit peu plus loin. Charmy qui tombe tranquillement. On a aussi un Grillpat. Chakipan. Bagiguane, la Pokéball, en reverse, Chakripan et Nabil Fula qui tombe. C'est bon, bah ça fait une double de ce Nabil Fula. Encore une fois, qui sera, je pense, destiné à l'échange, tout simplement. Donc ce Nabil Fula que j'avais déjà, on l'avait eu dans les toutes premières ouvertures, ce Nabil. J'aime bien Nabil, hein. J'aime bien. Après, comme d'habitude, quand vous avez des doubles de, même si c'est des cartes très rares, bah, ça fait toujours un petit peu bizarre. On se dit, ah, on aurait peut-être pu avoir le Dracaufeu, on aurait peut-être pu avoir des cartes beaucoup plus sympas. Mais bon, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça, c'est les ouvertures. Allez, il nous reste plus beaucoup de boosters. Pour l'instant, cette ouverture est sauvée par ces deux packs qui sont relativement intéressants. 1, 2, 3 et 4. On est parti, les amis. Hop, on retourne ça tranquillement. L'énergie qui tombe, Super Ball. Ils nous ont donné des balls, hein. Ball et potions. Oh là là, je sais pas, j'en ai combien. Victini, Tilton, le Machoke, Zigzaton de Gala, Goobix, Rockabot, Sepiatrop. Mais. Ah, ça fait deux fois que j'ai ça là. Ça fait deux fois que j'ai pas de reverse. Elle est pas reverse elle, hein. Et ça fait deux fois que j'ai ça en fait dans mes boosters, je comprends pas. Ouais, c'est encore un booster buggé où j'ai pas de reverse. Non mais je vais me plaindre, hein, Poké Company, il va falloir me rembourser, hein. Ah non, mais moi j'ai payé cher, hein. Ah bah c'est abusé ça, franchement. Ça fait deux boosters quand même, hein, dans toutes les ouvertures qu'on a fait, donc il y a un véritable bug comme ça où les reverse, et bah y en a pas. Bon bah les amis, plus que 5 boosters là, si je dis pas de bêtises, on peut peut-être créer l'exploit. Même si là, je vous avoue, ça commence à être un petit peu compromis. 1, 2, 3 et 4, c'est parti. Énergie. Allez, on y croit. Arbok, Kabu, la conserve douteuse qu'on a chopé en gold aussi, le Carvana. Potion, encore une fois, je vous ai dit, les potions, les Goopix, on n'arrête pas de vous voir. Machoke, j'en peux plus de te voir. Charby aussi. Ok, en reverse, les néons de Galar, s'il te plaît, quelque chose. Et Ixon de Galar. Aïe 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 aïe. Cette ouverture elle est pas terrible, hein. Pour le nombre de boosters là, c'est pas terrible du tout, c'est le jeu, mais bon, ça commence à faire un petit peu mal. Un petit peu mal au porte-monnaie, un petit peu mal dans l'ego. Les amis, plus que 4 boosters pour peut-être faire quelque chose. C'est une grosse ouverture aujourd'hui, en plus je vais assez vite, je sais. Je sais pas, je suis un peu stressé. J'ai envie de voir ce qui va se passer. On va prendre notre temps pour les 4 derniers. On va ralentir un petit peu cette vidéo.
Parce que peut-être qu'on va choper quelque chose sur ces 4 derniers boosters. Dites-vous, c'est quand même assez cher, hein. Si vous comptez à peu près 5-6 euros unité, dites-vous qu'on est à plus de 50-60 euros presque dans cette ouverture. Et forcément là, sur la valeur des cartes, on n'y est absolument pas. Donc voilà, réfléchissez bien aussi quand vous voulez ouvrir, faites-le vraiment par fun et par passion. C'est beaucoup mieux, hein. Sinon, si vous pensez que à l'argent, ça va pas le faire, je vous le dis. Énergie, Sharpedo, Arpok, Nabil, Rockabot. On prend notre temps, tranquille. Total 100 qui tombe. Bagiguan, on n'arrête pas de l'avoir, mais il tombe quand même. Abo, Coconfort. L'énergie en reverse qui tombe, je suis content, j'ai quasi toutes les énergies, ça par contre c'est cool. Aïe, ça pique. Plus que 3 boosters. Ça fait mal. Allez, Kibiki, on espère avoir quelque chose. C'est vrai que c'est... Elle est pas ouf cette ouverture, elle est pas ouf. On a eu beaucoup mieux sur les autres vidéos sur la voie du maître. Ces coffrets là ne sont vraiment pas fous. 1, 2, 3 et 4. Aïe. Ok, c'est parti. L'énergie. Le Percy. Stan de Grainberry. J'ai l'impression que Percy, Stan de Grainberry, il y a un certain ordre. Hein, à force d'ouvrir des boosters, j'ai l'impression qu'il y a un certain ordre des cartes comme elles sont agencées. Bibichu. Sepiatro. Aspico. Linéon de Galar. Allez, faut y croire, la potion Rizer, s'il vous plaît. Quelque chose, s'il vous plaît. Aïe. La clim. Ah là là, la clim. Plus que 2 boosters. Plus que 2 boosters pour peut-être faire quelque chose. Ça arrive, hein. Parfois, il y a des ouvertures folles. Parfois, il y a des ouvertures qui sont vraiment pas folles du tout. Là, on est clairement sur du pas folle. Après, je sais, j'ai quand même une foulard. Mais forcément, elle n'a pas beaucoup de valeur à mes yeux, vu qu'on l'a déjà eu. En plus, c'était vraiment au tout début de ma collection qu'on a eu ce Nabil. Donc, je sais, je peux pas me plaindre non plus, mais c'est vrai que ça fait pas du tout avancer la collection. Tu vois, j'ai une V en 12 boosters, ça fait un petit peu mal. Allez, c'est pas terminé en tout cas. Il nous reste 2 boosters. Nabil, Peterson. Allez, on se concentre. Sonia, tout le monde derrière, les amis. Rockabot, on est ensemble, les frères. On est ensemble, la famille. Chakripan. Le Goupilou qui tombe directement. Gripat. Bibichu. Gripat. Oh. Aïe. Mais en fait, j'ai encore le bug où j'ai pas de reverse et du dragon que j'avais déjà. Aïe. Ça fait une V en plus. Mais ok, j'ai l'impression que j'ai des boosters buggés, hein. Booster sacrément buggé. Dernier booster, les amis, dernier booster. Pas fou tout ça. 1, 2, 3 et 4. Allez, on espère peut-être avoir quelque chose sur cette dernière ouverture. Léopard, juste qu'on n'a pas vu beaucoup. Hein, au final, c'est quelqu'un qu'on voit souvent. Peterson, Coconfort, 41. La potion. Goupix, Machoke, en reverse. Rockabot, et pour terminer, ils ont deux gars là. Franchement, je pense qu'on est dans une de mes pires ouvertures. Genre, voilà, je devais garder tout ça scellé. J'aurais dû le garder scellé. Voilà, c'est la gourmandise, mais j'ai tenté ma chance. Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, je pense que je vais tout ouvrir. Vu que là, je suis parti pour peut-être tout ouvrir. Donc, il me reste encore 6 coffrets, je crois, un truc comme ça. 6-7 coffrets. Donc je pense qu'on va tout ouvrir, mais on est sur une ouverture qui est vraiment pas ouf, hein, pour être honnête. Duralugon qu'on a déjà en x2, Bagaïd, on a pas arrêté de l'avoir. Le Lucario par contre qui remonte vraiment beaucoup de cette ouverture. Ensuite les holographiques comme ça vaut pas grand chose. Hein. Le Nabil Foulard par contre vachement cool quand même, hein, ça reste une full art et une énergie reverse que j'avais pas. Bon, on n'avance pas beaucoup sur cette collection La Voix du Maître, mais forcément, on arrive à la fin, on arrive au moment où c'est encore plus compliqué, on aura peut-être des moments de joie bien plus intenses. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça, c'est le gambling, c'est la chance. Et aujourd'hui, on n'a pas été les plus chanceux, mais c'est pas grave. J'espère qu'on aura un peu plus de chance sur nos prochaines ouvertures. Je vous ai dit, on va tout ouvrir, il nous reste encore quelques coffrets pour peut-être entrer dans la légende. Les amis, c'était Kibiki, on se retrouve très très vite pour une nouvelle ouverture. N'hésitez pas à smash
cette barre d'abonnement, cette barre de like. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fan de Pokémon. C'était Kiviki, des bisous tout le monde.